Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Bande Konanga, ba poêle l'eau, et zaka ndenge zaraka toujours. Donc, yakuyinda. Détournement aux arrêts. Alors, à la une, chers téléspectateurs, tokobande mission abisso avec mort Yamfumu Sabata, au hasard conseiller en matière culturelle Yafachi. Et puis, on va parler na lettre où Ilunga Komine va ministre Nyonso va se préparer na remise et reprise. Donc, baza démissionnaire. Alors, toko développons ensemble. Deuxième point, chers téléspectateurs, Mbosso, président et Kaboun vice-président, et ça sont mon Assemblée nationale. Et puis, Toko Yoka débat live, il y a dossier Tambou Mwamba, Boko Yoka Ndegenir, ba sénateur, ou ba sali pédition, ba lobby, et puis Toko Yoka Kambere, ou ya PPRD, Ndegenini Bango Nyonso, bazo sepelate, nandenge, bazo longola. Balongola ki mabunda, siko bazo nga tambo boko yo ke yindi de mission na débat entre Kambere et sénateur na dossier ya Tambo Mwamba. Troisième point, chers téléspectateurs, le DG Chulungu ya INS Ozare. Bandeko directeur général ya Institut National de Statistiques Ozare. Ayibi 6 millions de dollars. Et puis, n'a pas véhicule accompagné. Kaka na ponyu, toko loba li susu, li kolo kaka ba fraude, Banque mondiale a suspendre financement ne ya 100 millions de dollars. Toko yoka bexre, alors, toza la connecte. Alors, chers téléspectateurs, bande konanga, toko bande mission na bisou, na oyu ya mort. Yamfumu Sabata. Et ça, la qui biso yonso passe, l'obitant mouti nyonsa yoka kiliwana, et zamawa, tu mega kojabe information, pona nini akufi. Bande koulanga zamawa. Ce n'est pas possible. Fumu Sabata, conseiller en matière culturelle, est décédé ce mardi, 2 février à Kinshasa, des suites d'une maladie. Selon les informations requises, c'est vers 13 heures que ce membre du cabinet du président Félix Tshisekedi est mort en sa résidence après avoir connu un malaise dans la matinée. Ba malaise oyo ebele ba kufi na yango. Ba nani baza ko sala makambo oyo. Un grand combattant mboka na biso ekotika makambo oyo ti. Ba toto zo bundela mboka de l'autre côté. Batumusu bazawana pona ko détruire ko boma et tout ça. Eza mawa. Mais le yuwan eza mwa suspect. Pourquoi tozolo? Parce que bazuye bembenaye pour le moment, ba bombiango, parce que il faut basala autopsie. Il sera par la suite gardé avant que le médecin légiste ne lui fasse une autopsie pour déterminer les causes de sa mort brusque. Plusieurs de ses collègues du parti et autres connaissances se sont recueillis à la résidence familiale. Batu bazala ki wana na limete. Alors, autopsie ko salam bebe wopsek na ye ko salama. Je crois que wana fachi déjà zali. A ko zonga déjà, parce que waza déjà ko zonga. Po waza ki na Egypte. Po ete bakundaye. Mais makambo ya ko bomaka batu. Makambo yezo salama. Bon, soit esa maladie, to tikango pa ya nzambi. Mais soit esa oya esa maladie ti. Esa ka makambo zo le kana politique. Esa mabe. Mais to koke pour le moment ko pesa commentaire a mingi sati et lo ko esa ma oite ba combattant nyonso na monde baza ko lela ba congolais. Et te fumu Sabata moto a sala ki ma solo na limete wana. Na l'era contre la Kabylie, l'era contre le 20 ans pouvoir. Alors,
tozangi. Alors, bande konanga, et ça passe. Donc, to landi wana, biso nyonso, oye le kaki, nabe information partout, mais, biso nyonso kaba condoléance na famille na e, et que am na ye repose en paix. Et ça mawa, to tiki po wana, na binu. Alors, to lingi le souba makambo te na présidence. Et si la wana, parce que ça mawa tout. Alors, donc, il est sur la pointe à Ilunga. Il a écrit une lettre. Ilunga, ministre préparé, remise et reprise. Donc, a demandé à Yéba, ministre Naïe. Il a demandé au ministre de préparer la remise et reprise. Bas à l'après. Dans la lettre date du 2 février, bande konanga, lettre wana, et ça date le 2 février. Ilunga aebisi bango et ba se préparer. Dans une correspondance datée le 2 février, le Premier ministre a transmis les mesures conservatoires aux membres de son gouvernement démissionnaire. Alors, comme tambo banako bon sa ba valise pour préparer ba dossier pour Premier ministre Sikazo Bimo. Donc, toujours qu'a déjà fumée blanche. Ma donde, tout le monde est déjà fumé blanche, ma cambo est belle, Jésus sala ma kalati. Et ça plaisir pour Namboka. Parce que, Fatia Zena va projet mon comme à Kanga qui a envoyé Banda le 20 janvier, ma soeur qui est égyptien. Pour la koubong sa kwa embellir RDC. Fatia Kanga qui a envoyé au gouvernement à quoi embellir Mboka te. Azaïna a raison. Bande ko dossier au monde à Ken Egypte, c'est depuis le 20 janvier, ma soeur la ka. Donc, c'est-à-dire, Fatia Zoye Sobo temporisé, nous avons assis à ma solo, bateau bakende. Bateau ba benda kabalar bakende. Nan meka koma kotam sambok. Alors, après kaka, ba sila nina FCC, Fatia Yohan en Egypte. Ilunga yebisi ba ministre na ya komé le bango lettre. Que, bon préparer déjà Babilo Cognon so pour la remise et reprise. Et puis, et l'autre chose à la lettre na ibande konangai, et ça somme. Ou il l'a tchè na kati. Aébi si bango boui. Faisant suite à la résolution du 27 janvier de l'Assemblée nationale portant adoption de la motion de censure et conformément au dispositif de l'article 147 de la Constitution, informe des membres du dépôt de sa démission au président de la République. Donc, il y a ça qui a eu, Bango Nyonso pour le moment va préparer déjà sa démissionnaire, va préparer ma valise et puis a rappelé Bango dans la mesure où il faut faire l'oubaki. À lui de la disposition constitutionnelle rendue publique le 31 janvier d'observer strictement les mesures conservatoires ci après, après la remise et reprise avec le nouveau gouvernement. Et a insisté, le chef gouvernement rappelle ensuite les instructions à savoir. Yangwanto Tchelibino. Bandeko a rappelé Bango Oyo Fatia Yibisaki Bango. Donc, ba ministre yo bazana ba problème sérieux. Ce qui vous a ramené ma boko pembe le kola papa Ilunga, ça va. Mais ce qui vous yibaki, boko bimana remise et reprise wana donc vous en a parqué. A ebisi bongo la suspension d'un nouvel ordre de recrutement de nomination de promo. Doit rappeler bongo ma kambo fachia loba ki yango wana 4. La suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements de liquidation et de paiement et de toutes dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. Wana makambo oyo fatia lubaki ilunga rappelé bango nyonso na lettre. E belete oyoka ba okanga ba. La suspension des missions wana 3 des assommes. La suspension des missions à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement ainsi que le personnel et leur cabinet, sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques pour lesquels les demandes d'autorisation seraient examinées au cas par cas. Donc, ce qui, par exemple, a zara dossier, il nous a rappelé, le ministre, n'est pas décision à Fatih Ouyou.
na poyo alobi ba dossier ta kapaka epi ce qui kango eza permis il faut eza l'autoriser na présidence eza ya koyinda esi eyindi bato oyo bandeko nanga baza na problème sérieux parce que ebele bazoluka bakima na ndenga mabeti toyoki déjà soupçon ete ba ministre mususu déjà bazuna lingete ba luka ba kopera lingete esi montala salaire nange koki bovana ba mbongo na bino do ba soupçon zo le kandenge na ndenge alingete FC bangonga facha chenga po mboka corruption esila bande kwa ministre bele bazana ba trou moko na remise reprise yango bakangi ba frontière pona bango ebele bazoluka ndeni ya kokima memoa ezati alo ba frontière mabele nyonso fo batala yango trebie bakasumba lesa partout bo surveiller batuana mouvement na bango na goma deje mboza misu makasi ministre moko te ilunga bimamboka oyu bazala wana Congo la souffre mingi et comme étant oyu tout monde a quand même la joie donc on continue boite et puis quatrième point l'interdiction de recourir aux opérations de cession de transfert et d'aliénation des actifs de l'État chaque ministre devra répercuter la présence instruction aux administrations et services publics relevant de sa compétence indique le chef du gouvernement. Donc, de sa compétence, yémo a lobi que yémo comme ministre passe message na batunyo sozanamo. Dans toute l'étendue de la RDC, presse le bango tout va s'assiéger na Kinshasa de toute façon, ba ministre nyoso. Alors, ba mekati, ba pwe katre wana ko bebisa. Donc, ilunga rappele bango na lettre, boza sou na plasti. Donc, bo prepare déjà. Remise et reprise pour le gouvernement Fachi est comme imminent. Donc, quand le gouvernement est imminent, donc, les banda Fachi, quand ils sont en Égypte, ils ont une fumée blanche, le premier ministre a dit, ma solo est tambola. Bongo sikoyo, o yibaki, o salaki mabe. Ok, mon caméra, vraiment solo, vraiment dame, na kati ya makala pe, vraiment scénario. Alors, tout ce qu'on a dit, pour mal à sikalate, ils ont banda. To kumoke na deuxième point. Alors, bande konanga, chers téléspectateurs, chers internautes, deuxième point, to ko divise en deux. On va parler d'abord dossier tambo. Oye, yindi débat live entre sénateurs, Kiringu et Kambere à PPRD. Do bande konanga, na po anaka boko yoka ki plénière eza convoqué. C'est jeudi 4 février. Donc, départ à Tambo Mamba. Boko yoka débat. Et puis après, tout le bureau définitif, où il y a une assemblée nationale, Mboso président avec 389 voix et premier et Kaboun, premier vice-président. Bande Konanga et sa somme. Alors, commençons avec Eyindi dossier Tambo Mamba. Bande ko, boko yoka basse sénateur wana. Kiringu ou a préparé qui ou a préparé motion pétition je me suis contre Tambo Mamba donc pétition wana et salama ki déjà alors écoutana makambu ya dossier noir ya Tambo sénateur alobibui malgré Kambere ou a PPD Bogoyo ka paye boyebi ka bango donc bazo kokon ba bien et komi donc bazo do bazo fima ko donc on se plaindre et ça sont mon émission alors Tambwe asana ba problème sérieux parce que asa face à des procédures une demande du procureur général pour l'entendre au sujet de l'allégation de fonds et aussi une pétition au Sénat. Donc, des procédures à Zanango, il faut résoudre. Alors, l'obitant va le battre à la pétition,
Ya lobi ke zaki na ordi jouta le mbala moko bateu kadon. Mubule kota ki na sene zaki somo. Alo ba conclure ke koza la lobi jedinde bo moniwana. Ke le communiqué convoquant une plénière le jeudi 4 février et de nuit le fait. Donc wanande bango baza koloba. Donc bakoza la convoqué lobi ponengo. Alo. Kesi ese eleka ki na sena. Donc. Il y a sa visée dans des procédures. Sénateur, on a expliqué d'abord, nama loba ya loba kaya, ya na fachike ya buki constitution, ye moko tambu, na mikro na television na biso, et puis, nama kambu, ndenge azako jiri sena. Mba dossier makambu ebele, do ezak, do ezak pena na ndenge bang, mbo kezo tambu lati. Kaka nde mwona mabunda, donc bizarre, bazo sepela la moté et puis na problème na ye oyo procureur a bengisi bandeko procureur a bengisi ye mpo il faut ye aza la présent alors yangonde et pende babi mbongo komo mema mbongo na ndako. Oui, on le veut qui a touché na yoti, mais on m'a qui on a ndaku pona nini. Alors, sans plus tarder, toyoka d'abord sénateur ou à pétition, après toyoka FCC, PPD et Ferdinand Kambere. Alors, toyoka nanu Valentin Guérongo sénateur, oyo azalaki en tête ya pétition na sénat. Valentin Guérongo, je rappelle que vous êtes sénateur, président du groupe parlementaire MLC allié au Sénat. Vous êtes également président de la commission des infrastructures de cette chambre haute du Parlement, mais aussi initiateur de la pétition contre le bureau Tambwe Mwamba. En ce moment, le président du Sénat fait face à deux procédures contre lui. Une demande du procureur général pour l'entendre au sujet des allégations de détournement du fonds, mais aussi une pétition au Sénat réclamant la destitution du bureau Tambwe Mwamba. Qu'est-ce que vous reprochez à ce bureau, Valentin Guérongo? Merci madame. Nous avons fait une pétition contre le bureau, six membres de bureau, pour ce qui concerne le président Tambwe Mwamba. Nous leur reprochons un certain nombre de choses en nous référant de l'article 23 du règlement intérieur du Sénat qui dit que pour qu'un membre de bureau tombe, pour qu'on retienne à sa charge soit l'incompétence, soit une faute grave. Et disons donc que à charge de président Tambwe Mwamba, retenons ces deux faits. Et nous les avons détaillés en 10 points dans la pétition que nous lui avons adressée et qu'il a réceptionnée depuis hier. Il vous souviendra que pendant l'état d'urgence, le président public avait pris une ordonnance pour ces faits. Tambwe Mwamba est passé sur les chaînes de télévision, sur la radio officiellement, pour dire que le président public avait violé la Constitution. Lui, en tant que chef d'institution, ne peut pas tenir un langage comme celui-là. Nous le lui reprochons parce que le président public viole la Constitution. La procédure n'est pas celle d'aller sur la chaîne de radio-télévision pour la dénoncer. Deuxième chose, nous reprochons aussi au président du Sénat le fait que le jour où il fallait investir les juges et les hauts magistrats, il a brillé par son absence, lui et la présidente de l'Assemblée nationale. Nous considérons ces deux faits-là comme un sabotage à l'autorité suprême du pays. Aussi, faudrait-il pendant que nous étions en vacances l'année passée, au retour de vacances le 15 mars, nous avons trouvé que notre plénière est réhabilitée de la manière que lui voulait. Il n'avait pas qualité de pouvoir engager le Sénat sans avoir l'avis des sénateurs. De plus, les montants débloqués ou les montants fixés pour ces travaux, à peu près 4 millions de dollars. Nous disons que cette salle que Kengo avait laissée n'avait pas connu une dégradation avancée pour que cela soit intelligent afin de permettre au président du Sénat d'accorder une priorité à cette réhabilitation. Aussi, nous rappelons, Madame Gauthier avait porté l'affaire en justice. Le procureur avait fait une réquisition d'informations. La réquisition est arrivée au Sénat. Il a
constitué une commission pour défendre la question. Sous son influence, nous n'avons pas autorisé la levée de l'immunité. Alors, toutes ces questions-là, ajoutées à ce que nous avons reçu sous la dernière réquisition du procureur aussi, l'argent décaissé, 2 millions d'euros, 1 million de dollars, 1 million de francs congolais, il a consigné l'argent chez lui à la maison et il a retourné le jour suivant. Ce n'est pas normal, le fonds public de l'État. Même si vous les retirez à 2h, 3h du matin, il faut les consigner là-bas. Si l'on ne sait pas les consigner à la banque, on le peine au palais du peuple. Il y a un coffre au palais du peuple qui peut contenir somme d'argent et le palais du peuple est bien protégé. Même si l'argent était volé au palais du peuple, il ne serait pas responsable de ça. Le fait d'avoir amené le fonds public chez lui à la maison, de l'avoir retourné par la suite au peuple, même s'il n'a pas sorti un dollar, c'est une faute. Voilà la raison pour laquelle nous avons fait une pétition pour ce qui concerne le président du Sénat. Valentin Guerengo, une certaine opinion estime que tout ce que vous reprochez au président du Sénat ne peut pas pousser les députés, ou plutôt les sénateurs, a initié une motion contre lui, et ce qui est encore bizarre et que ça coïncide avec la demande du procureur général lever les immunités du président du Sénat. Une certaine opinion y voit un règlement de compte. Non, c'est un concours de circonstances. Parce que les faits qui lui sont reprochés par le procureur ne datent pas de maintenant. Et le procureur, c'est sûr que le procureur suivait la situation et qu'il estime que le moment est propice parce que nous sommes à une question extraordinaire où on venait d'ouvrir. Il estime que c'est le moment de pouvoir solliciter la levée de l'immunité par la plénière. Parce que il faut savoir que si on est en vacances et parlementaire, la demande de levée de l'immunité, c'est le bureau qui la traite. Alors, il estime que le président de Sénat qui est concerné, il peut influencer les autres membres pour que l'immunité ne soit pas levée. Il estime donc que le meilleur moment pour la demande de levée de l'immunité, c'est quand la session est ouverte, voilà, la plénière qui va décider et c'est conformément à l'article 318 de notre règlement intérieur. Hier, le président du Sénat a clôturé, juste après l'examen du point qui était à l'ordre du jour, il a clôturé la session extraordinaire. Vous, pétitionnaire, vous avez laissé faire entendre que vous allez saisir le secrétaire général du Sénat pour convoquer une autre plénière portant l'installation du bureau d'âge afin d'examiner la pétition. On a reçu un communiqué officiel du secrétaire général qui convoque justement la session pour demain, jeudi 4 février, afin d'identifier et d'installer le doyen d'âge. Est-ce que cette procédure ne viole pas le règlement intérieur du Sénat? La procédure est très normale parce que nous considérons que hier il n'y a pas eu plénière. C'est du gangstérisme. Il faut savoir que l'article 23 de notre règlement intérieur est clair. Reprochons à un membre du bureau ou à tous les membres du bureau individuellement. À partir de ce moment-là, nous allons à l'article 28 de notre règlement intérieur qui pousse les concernés à se déporter d'eux-mêmes. Ils devaient tous se d'eux-mêmes. Ils ont forcé la note pour venir présider la plénière. Plus grave encore, le président Tambwe rentre dans la salle, n'annonce pas l'ordre du jour, ne fait pas voter l'ordre du jour parce qu'il savait qu'il n'avait aucune majorité parce que s'il avait proposé l'ordre du jour, lui l'amener, on allait renvoyer cet ordre du jour. Il n'a pas proposé l'ordre du jour. Il a commencé par l'information sur la réquisition du procureur. Il estime qu'il a lu cette réquisition sur les réseaux sociaux. Il est censé ne pas être loin de cela. Au lieu de répondre au procureur, il préférait la plénière pour donner l'information. Et plus grave encore, les réponses au procureur, c'est le deuxième vice-président qui écrit. Donc, fait que ce soit le deuxième vice-président qui écrit, c'est-à-dire que le premier, le président du Sénat, sait qu'il s'est déporté de lui-même. Donc, nous sommes dans une situation où il y a eu deux verrous qui ont empêché au président du Sénat de présider la plénière d'hier. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, Tolandi Bissonyon Souana. Dossier Tambwe Mamba. Tolandi Benane, comment y'a même un bon nandako? Bande koi bato basaka pena na mbongo wa jangoli e desyon de li kablo na bango. Donc, o men pena 2 millions d'euros, 1 million de dollars na pale. Et puis, zo yo courage kolobake, yo zimbongo wano zongse on a trezo. Parce que o yebi ke bako kanga yo. Mais o yebi o bosan ke za di infraction. Bande ko, azal su na majorité de Tolandi wana. Azal angoli su su te. Don denga za wana, azo longwa.
pétition est à contre. Le secrétaire général du Sénat, Gilbert Kinkoudi, a invité tous les sénateurs à prendre part jeudi 4 février à la plénière de la Chambre haute du Parlement. Selon son communiqué, un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de l'identification et installation du doyen d'âge. Dans sa lettre convoquant cette plénière, M. Gilbert Kikoudi dit s'appuyer sur l'article 28, alinéa 5. Bandeko, constitution est zakakamoko. Mais bateau yo baza kotia ba désordre pour rien. Boko yo kakambere. Ndengazo se réclame. Bandeko ta ya mala si a bateau ezo banda. Donc, mabunda kei. Alors, tambwe mamba yope ozo joa malasi. Do yope, lobby, ba convocango lobby, et puis point hors de jour, installation du doyen d'âge pour yalungwe. Motion contre ba installé de basale bureau d'âge, na se doyen d'âge, na sena, donc ti ba konome président sena sika. Eza ya ko yinda, esi e yindi. Alors, bande konangay, ko don. Bata pepe de bazana ba kolera ko sakana na ngoti. Tambo yoka kambera lui komba cinema. Azo reponde suke pa Valentin, senate wana. Don baza ko loba ndenge moko na mime batu yu. Bozye mabebo sali ba kongole pendant 20 ans. Tambo mambazo merite place wana teleba numa ke presa sena ba kongole. Ba deklara ki. Azana ba probleme beli ba konta rendre beli. Allo, to landi biso nyoso wana. Donc, ndenga za wana, azali suna majorite ti. Lobi je di azo longwa, azali suna plasti. Bako tia doan edaj. Allo, sans plus tarder, to yoka siko kambere, po eza ya ko yinda ni emission oyo, bon to developpe maso wana biso. C'était du cinéma, il n'y a pas eu plénière hier. C'est trop pertinent comme Miré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, de procédure contre le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. En ce moment, quelle lecture vous faites de cette double procédure visant le président de la Chambre haute du Parlement? Merci Kelly de nous avoir associés à ce débat. Je crois que vous-même, vous avez compris la difficulté qu'a l'honorable sénateur Valentin. Ce qu'il appelle, lui, le cinéma, c'est au contraire, lui, le maître des cinémas aujourd'hui. On comprend bien qu'il y a simplement un règlement de compte, parce que lui-même, quand il cite les langages, il dit les langages envers le président de la République, l'absence le jour des prestations de serment. Ça pour un sénateur, ce sénat qui était la chambre de la sagesse, je crois que c'est trop bas, alors que tout le monde a décrié le fait effectivement que le mode actuel de ce qu'on appelle l'union sacrée, le mode actuel de la gestion du pouvoir, c'est la violation systématique de la Constitution, que lui estime, parce que même quand vous lui demandez quelle est l'urgence, pourquoi ne pas attendre la session de mars, il vous dit c'est lui-même l'urgence. Donc il est même content de déstabiliser toute une institution du Sénat alors que ça devait être l'institution modèle de notre pays. Ça devait être l'institution qui tranche, même quand il y a peut-être conflit au niveau de la chambre basse, c'est là où on trouve la sérénité, c'est là où on trouve l'intelligence, c'est là où on trouve toute la sagesse de la République. Mais voilà comment il s'exprime, rien que pour justifier un hold-up qu'on est en train d'assister. Alors qu'il y a encore un bureau, pourquoi comme ils l'ont fait à la chambre basse, le secrétaire général a convoqué une autre session. Cette façon de faire, comme ça réussit au niveau de la chambre basse, au milieu de la législature, on va amener un secrétaire général, comme ils ont réussi contre le bureau Mabunda, on les fait aussi contre le bureau Tambwe, ça devient maintenant cette manière de gérer. Même nos mamans au marché, ils ne comprennent plus rien de ce qu'on appelle la République, de ce qu'on appelle la démocratie, de ce qu'on appelle le fonctionnement des institutions démocratiques. Parce que c'est comme si le bilan qu'ils vont présenter à la population, c'était lui de se vanter.
l'idée d'avoir déstabilisé au milieu de la législature toutes les institutions. Mais on reproche au bureau de Tamouemouam sa gestion du Sénat, maître Kemberé. On peut bien lui reprocher, c'est légitime, mais pourquoi ne pas suivre la procédure normale où une motion, s'il y a une pétition, l'introduit régulièrement lorsqu'on va rouvrir la session de mars, que de faire ce combat de gladiateurs au XXIe siècle, lorsqu'on voit des sénateurs se toucher presque. Encore, c'était la honte de la République. Le président du Sénat a refusé d'accorder la parole hier aux pétitionnaires. Pourquoi cela? Oui, une session extraordinaire est toujours quand même convoquée par rapport à un ordre du jour. Mais que dès lors, ce jour-là, il y a un ordre du jour précis, vous voulez imposer à un autre une motion, c'est pas moi, une pétition de destitution d'un bureau. C'est quand même bizarre, alors qu'on est en session extraordinaire. Mais pourquoi on doit continuer avec l'anarchie, Kelly? On ne résout pas une crise par une autre. Est-ce que cela est interdit, maître Kemberé? C'est interdit parce que lorsqu'une session est convoquée, surtout extraordinaire, pour l'examen, adoption d'une loi quelconque, et qu'on vienne maintenant déposer une pétition juste pour perturber, juste pour créer le chaos, l'anarchie. Mais c'est interdit. Un sénateur, un député, il y a quand même l'art, un parlementaire, c'est celui-là. Mais maintenant, c'est comme si les députés et les sénateurs, ils sont en train d'obéir à un ordre qui vient de l'extérieur pour les déstabiliser. Quelle est tout ça fait la honte? Vous voyez ce qui est en train de se passer au niveau même de la chambre basse. Ou celui qui est désigné par comme informateur, c'est celui qui doit signer un ticket, mais pour chaque poste de candidat, il dit, mais c'est ça qu'on fait pour notre République. On a quand même lutté pour cette démocratie des années et des années, que c'est sous Kabila qu'on a eu au moins cette constitution qui a fait ses épreuves. Pourquoi on veut tout chambouler et nous raconter que c'est maintenant, lorsqu'on aura tout déstabilisé, qu'ils vont mettre de nouvelles règles? Par rapport à quoi? Alain Parfait, Ngulungu, chercheur. Alors, bande konanga to landi kamberi. Do pona bango ba lobi abana na cinéma et tout ça. Ben, soko talibe problème na bongo za pourquoi zo sala ma lobi jidi. Pourquoi na février, pourquoi ba zeli session ya mars te. Bino mai bo sili sa ba boza bo maye bo kokali susu te. To sala bejo to ba demare ma kamba sika. Sena ya sika. Assemblée nationale à Sika. Tamboué, Azaï Soudine, Tazana majorité. Soki Bazui 84 signatures. Et Zako Laksa clairement que Tamboué, Azaï Soussouna majorité. Azo Longwa. Yango Bango Kambere, PPDFCC Bazo Linga, Bapoussa Masolo na Mars. Doba Gele Makambu. Boko Kalisouta. Oze l'air beaucoup ça qui va congoler. Bande konanga, il faut qu'on soukoula. Sénat wanyo se soukoua mi propre batouana tout li banda. Bakei. Donc, neto landi wana, nazo mona tendeli tambo akubika. Et c'est impossible. Même ma kambuna yeko kena kou. Parce que, au même mbongo nandaku. Après yoko zongs, au même kyo nandaku ponani. Bo yokinde balo, mbongo wana, ekoza la pena sénat. Tout ça, la coffre fort, kuna. Pourquoi pas au tikiango kuna? Bande kweza mawa. Ce qui te landi kamberi wana, tout ça comprendre que bato yotili lo barivaka. Baye bina wa ke masole sisili. Azul makambo azul luka loba eza nangoli susuti. Ba message tu bazo peso ya ku loba kamberi. Esa mawa. Yebake. Peuple congolais azay sou na confiance na binote. Parce que ba moni ba scénario. Yomo zo loba wana. Parce que makambu ouyu. Bino bo sala pana 20 ans. E comme si ba congolais bo. Ba bae bino. Ba congolais bazay sou na posa komona tena sene. Ba mona tambo mamba. Toza la clair. Baza na beja longwa. Yango moni ki babo ko zela séance à mars.
na séance à février à Longwe, parce que séance à mars, ils ont parlé mal à Sika. Et ça, c'est mon bande de konangai. Et comme tant batouyou, tala, beaucoup yoka réaction au peuple tant au commun à bureau définitif. Peuple a qui li bande à l'Assemblée nationale, peuple a qui ganga, que batou tout ça sur la posa na bango. Donc, gouvernement n'est kende, tout ya ba député au baza na posa peuple. Mais tous en Assemblée nationale. Ah, tous en na sina. Alors, tambou mamba, et ça clairement que, et ça détournement. Mbongo et kenaki nanda koukou salanin. Parce qu'il y a une caisse à l'Assemblée nationale. Donc, baloba loi normalement, de tentative, il y a kouyiba, et ça déjà kouyiba. Parce que ça le quoi tentative, parce que kenanda kounaï. Ce qui mbongo wana bande ko tozo sur la biso to loba te to landi ndeke sénateur wana lobi ke mbongo e kenda ki na ndaku na ye we bezo le kelanga ba biso ba congolais bande ko 2 millions na ndaku amutu e 1 million do 2 millions d'euros 1 million de dollars ne te so ba mala ngo Ça n'a pas de dollars, cause à 100 euros, c'est un billet à 100 euros. Moussou, un billet à 100 dollars, 100 dollars. Donc, mal est tondi n'a pas le haut. Mais, oui, puis que ma cambo, il y a un problème dans les sacs. Il y a une espèce de bimina banque. Bon, mais en Europe, ma cambo, il y a un peu de route à l'Europe. Il y a un peu de salle banque. Comment moutou y a un bimisa mbongo et belé boui? Et puis, il y a un problème aussi, l'hémicycle a bonsi en 4 millions. On a dit que moi, on a manqué qu'il y a un mois-ci. A manqué, on a dit que la sénatrice. Et c'est à quoi réflexionner, il y a un dossier, on a dit que c'est pas procureur. Mais il faut que qu'on réponde pas procureur, on a un dossier. Alors, on a dit qu'on a un point où tout ce qu'on a bien, comme on a un bureau définitif. Alors, bande konanga to komi na bureau définitif. Mboso président, Kabun premier vice. Bande ko match donc beta maki déjà. Mboso 389. Kabun donc le kaba 343. Donc bango tous ma ke ba membre nyo union sacré ba voter pour na bango mibale. Alors, assemblée bureau définitif vivandi. Et ça dirige na mboso na Kabunda. Bandeko, tika nan batu, parce que jamais Kabunda l'oubaye déjà qui toko travaille pour l'intérêt du peuple congolais. Tika biro yo vanda. Tango ma solo peneko ya, dombo kapinda. Evandi. Bandeko nangayi. Jamar Kabunda travaille ndenge moko ko sakanati. Banda ko longola mabunda, bangona mboso ba travaille ki penza. Bazo mérité place wana. Ba laxi souci a mboka. Mboso le doyen yewana président de l'Assemblée nationale. Eh, hey, quel poste ko sakanati. Tala, bande ko e pa wapi makambo ko leka, hein? Bongo kalate toke na ba seni kokongola tout union sacré. Et le binde komo soko lingite. Bon, ezamawa. Do bande konanga, ma solo penda siko evandi. Fati le visionnaire. Bako benga fati aigle. Kabun peli susu aigle. Do bazo mona musika bia. Ya mona fati kabun kaka pembe na fati. L'air Etienne Tshisekedi azala ki omona ka Kabun pembeni ya Etienne Tshisekedi. Et puis lelo na fachi pe Kabun kaka wana masolo kuyoka tu. Donc, ndenga za ko avanse na carrière politique ne na koto sana ye. Komi kitsana ye pa ya président de la République. Ndenga zo zala. Ah! Kabun da wake musika na carrière politique. Ndenga mabete. Donc, per choix. Ah, union sacré. Badji perchoir si koyo boyo ki on a pris un pot de l'obat déjà que Sénat déjà union sacré bazo botolango lobby j'ai dit donc
Parlement mobima na maboko ya Union Sacrée. Eh? Eza somo ne bazana ba luke pa oso ba okene wapi. Don ne bazana ba recherche ye bandi po beto si nyatie kundi ba ona sama bere bazo luka bango ba musuba za ko palangana ba kumka koloba oyo wano wana. Don mawatrona batu. Alo. Tozonga sikoyo na point oyo balobaka ke bato peuple mutavota kibango boya liboso biso to vota kibango te pourquoi tozolo babo parce que malgré ba vota kibango me bazaki na vision mususu ba voter ba na peuple ba komi kuna na FCC ba isi bango tous les députés de FCC soyez les bienvenus awa. Bande kweza makam tolo beza to bozo mwono kaka boi. Tango ba deputé ba vota ki mwona 2018. Na 2019, kana premier réunion ba komi kuna. Soyez les bienvenus na kati ya FCC. Ba FCC mwono mwone awa. Fubo lata kasketa FCC. Buko lata ya peple ti. Do peple wana ba na kosufri. Don, ndenge bazaki wana bazaki mawatu. Makamu tu bazora pone intere na bango. Kumonde bo ken Assemblée Nationale. Bo deklare ba mbongo na bino moko. Peple wana zaraka position wana. Eza mubulu. Me ba yeba etike masole ko change. Ba yeba etike deja eglas. Bazo mumba. Deja bazo mwona ba wana musika. To sa esika mwome deya to silo komprena ki. E bande la masolo. Balobia. So ye na mboka. Talaba tuande bazo tambola. Bongo yeba ndeni ya kusama. Seke fachi afe. Amonike no. Peple Kongole ya sufri mingi. Nga mtu na lobito yo kapa kumo benge Moise. Aeko sove peple. Naba pasi nyoso to zalaki nango kujwa. Kolongo la mabunda plaso ne zaki. Eza makama usanga nantiba ndi unanga. Ezaki somo. Me metno. Fachi ale ple pouvoir. Po deja tambu lobi ya zolo mwana. Alo. Bande konanga. Toko yoka. Oyo pepla lobi. Paske bango bazaki libanda. Balobi sikoyo. Oyo bawa ya bisu. Bongo to kontine misyon na bisu. Lelo se la demokrasi. Se la source. Di Kongo. Eza lelo. Tozo mwona kenon. Lelo ne ba depite ba waba nosa la pepli. Bande konanga to landi biso nyoso wana. Ete ba depite wana. Baza yiko sa e l'autorite moral. Ndeka to meko demontre wana. Tango ba vota ki bango ba kena kingankati ba yisi bango ke. Bino bo sala pona biso moko. Peple wana te. Pase ba tiko trete dosye moko te pona peple. Alo. Mena ba installe. Union Sacrée. Mboso president. Kaboun vice president. Alo. Makamu nyosu salami. Aloba ndeko nanga. Donc, ta oyu. Ikomi tato celebre. Ete Union Sacrée vandi. Masolo nyosu sanini. E vandi. Donc, ba dosyo bako triteza la pona peple. Mboke ke iliboso. Comme ça. Les infiltrés. Tant va traiter ma dossier dans mon aide de l'immunité. Oh, l'être en assemblée, ma va voter pour Kangaï. Bande quoi, yo kasi bazo regrette pour ni kaboun nambo so bazawan. Parce que ma lettre à procureur de Koya, tous en a besoin y a député Songoulou. Tous en a besoin ministre Bouy. Ministre Wana,
il faut parler ma paix autorisation ba kangai bande combien de ministres ba yiba kimbonga ba kangai ba monté et comité ya mal accident kamere ba voisin ba za ko yana ndenga mukiki donc tango yokaka karia kasongwe kombeta clairon ba zoya na cortège ba wute mo parquet ma titi pourquoi ne pas mela kabomba ko sanza ba ona makala bande konangai tango ba lettre pour procureur ko ya Mbosso lubi allo Kaboun ya une lettre ici oh. Allo Mbosso mama bien Kaboun. Premier vice président vient. Ah monsieur le président. Allo il y a un dossier ici. Allo il y a un ministre dont il faut taper sur autorisation procurer à Kangai. Ezaya koyinda. Allo Mbosso allez. Le parlement torimba moi que na groupe parlementaire son na bangal bon. Il faut autoriser ba Kangai ministre wa. Allez imbalongo l'immunité na. Allez, mbalamo ba signé ministre Boyiba Kimbongo parce que belé bazawana bazo sa remise reprise basi ba yiba ki ba mbongo détournement na détournement hein bande ku bazo bebi samboka batwana ba ministre wana alors Mbosso président Kaboun vice président lettre ka gezo ya ke bakanga mutumba mwale bo signé ngombala moko et ke pa procureur bakangi mutwana ezaya koyinda parlement vanne na maboko inyo sacré allo bande konanga to la division so réaction peuple peuple a lobby ba député na biso bango allo to tiki pona maboko na bino to komoleka na 3e pont allo bande konanga to komi na 3e pont les DG Chulungu de INS Ozare et puis après tout le makambu ya Banque Mondiale kana makambu bazo yiba bambongo Banque Mondiale a lobi ka ko pesa na mbongo te boko yo ka ex eza mawa allo le directeur général de l'Institut National Statistique Roger Chulungu Runika a été arrêté ce mercredi 3 février consécutivement à un mandat émis par le procureur près de la cour d'appel de Kinshasa. L'incriminé est soupçonné d'avoir détourné 6 millions de dollars et de véhicules appartenant à cette organisation. Détournement de deniers publics. Donc, nazoye baté. Ndenge pa donc bobong sa pavillon 11 wana bien pavillon 8 ba ko tonda po ndenga zawana azokene makala bakanga ki deja 6 millions de dollars na ba véhicule wapian bae bae ba to on comprend ba kote na bureau ba inspecteur de finance ah esa mawa hein donc Toye Bake, Institut National des Statistiques et l'organisme officiel de la statistique ARDC, créé le 3 octobre 1978, cet établissement a pour mission principale de collecter et d'analyser les statistiques sociales, économiques et démographiques de la ARDC. Pandeko, département mon ennemi. Les lettres sont ma cambo élection, ma cambo belezoya, ba statistique nyo sa mboka. Hein? Ba tu yo mutu ba ko sala yango. Allo? Bande konanga ko mona ki ye a détourné ba mbongo o ba pesa ki a sala misala a détourné yango, pas seulement les 6 millions de dollars na ba véhicule. Yango to zolo baki, kamere ba voisin ba so tonda ebele. Pavion on, pavion dira e baki. Prisa kotika abon ba wana ubon sa ba pavion na makala. Eh? Po ba lo ba kondisyon, do ba pavion pene asika ba salaka po na ba ministre. Batu o ba DG, nga directeur général ya Institut National des Statistiques. Ah! Au Bénin, on paye 6 millions de dollars. On va en paye calme. Ben, inspecteur, bazo sa moussalate bande kona. Ba dossier, ba bien zébele. Na mi koleko ya union sacré vanda kaka. Ah, ba to yoko. Na evi si yo, eko aga masolo na prison. Ah, soyez le bienvenu, monsieur Chulungu. Ah, monsieur Kamere. Wana, Kamere, tu l'as l'eau, monsieur Chulungu. Ah, wa, comprendre kaka. Sulunga lubi ande nina bia mon cher
Mobulu, Mobulu Sundin. Abi, ah, ma kaleza, passi moi, et ah, eza boy, eh, Sulungu mama wandule la. Non, eza somo, nega zawana zomona le 4 points ya makala. Parce que 6 millions de dollars zomona te. Ba véhicule appartenant à Siruga zomona te, donc, aza déjà. Na parke bakanga ki epi azo kire makala don lobika don dazani na kada makala de tout façon azaji ya makala alo bande kona ngai bato yo ifu baba na kokanga bango ndenge wana me muyibi wana e banda ba banda yango kala yango zo continue ti lelo ezama wa komona kuma koyiba mbongo na modele ya boy alo tala siko ba conséquences. La Banque mondiale reporte une date ultérieure de financement de 100 millions de dollars. Pourquoi reporter? Parce que bambongo y a enseignement primaire et secondaire à gratuité ba yibi yango. Be coach poko yo ke excès totiela bi. Ba miyibi oyo il faut ba kanga tous les coulons en cravate, ba tonda na kati ya makala on en a marre. La Banque mondiale vient de reporter à une date ultérieure de financement de 100 millions de dollars prévus en décembre 2020. Dans décembre, il fallait pas payer ça. Il faut pas payer ça pour appuyer la gratuité de l'enseignement de base en RDC. Après des révélations de fraude, a indiqué lundi 1er février cette institution financière dans un communiqué. Ndebozo Mona Yewana Na Ilunga, directeur de la Banque mondiale, a lubi moaiti. Makambo esila baye bane ba kosole su ba reporter yango 100 millions parce que koti mikolo azane ba mombie e koti mikolo ba ministre ba kobenda na balaba kena bango parce que gouvernement zoke donc d'une manière d'une autre ba freiner ba mbongwa mais e freiner tala na école ba de base to liba no futa ba mettre tala ba conséquence alors to landa extrait oyu bon to continuer mission na biso. Toujours à propos de la RDC, le grand projet du président Félix Tshisekedi de rendre gratuit l'enseignement primaire public est pour le moment compromis. En effet, pointe Le Monde Afrique, la Banque mondiale a suspendu un financement de 100 millions de dollars qui était destiné à ce projet. Après la découverte de listes gonflées d'enseignants fictifs dans des écoles inexistantes, de fausses factures ainsi que d'un détournement présumé de 31 millions de dollars, deux hauts fonctionnaires, le directeur national du service de contrôle de la paix des enseignants et l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ces deux personnes ont été récemment arrêtées en attente d'un procès. Allo, bande konanga to landi bisonyo soana. Plus de 31 millions de dollars ba yibi. Bakangi directeur wa futa kabatu ya sikupe. Et puis bakangi na inspecteur ya enseignement primaire et secondaire. Ba 19 000 écoles fictives ata kutu ba yibaka. Bandeko, nde bazano bazo li ambala ba umi bale na makala. Me ministre, azo yenga yenga me, tango ya yepe kubima, pasi baluba ki yeba akubima te ministre ansema primere secondaire. Ndenge makambo ezo kendi, batu tuba kutonda na ndenga mutiti. Mbongo bosala 19 000 écoles fictives kapona kuyiba. Yango bino bato ya FCC bosandeni, bato ya PPD, bato basala na régime pendant 20 ans. Yango faut balayer tout le monde. Boko tsa monyonso na bomuzo bamuswa donc et ça mawa. Ah! Soko tali muyibi ya boy, c'est impossible. Toko vivre ndeni na mboka na muyibi ya boy. 19 000 écoles fictives. Alors, Banque mondiale a suspendu. A coupé sa soumbongote. Parce que, a reporté, n'est-il gouvernement ce qui kokota. Alors, to lingite to yo kalsuba. Eh? Donc, nde bolandouana, ki gratuité kote na mwa mouboulou. Alors, les amas wabande konanga, si kombongo, e wouta na trésor public, ko fouta nan banseya. En tant que bah, don on a tout. Et ça, mawa, bandeko. Na ba banque mondiale, bah, comment on a mouzibi à la Congolais. Mais,
babanda yango kala bayibi mekomi ya bui. Alors, fachi pa kutika te, alingete continue masolo, kangela biso bango en franc, ba lui liste za moulaye pa ya inspecteur général des finances, ba liste wana na ba ministre do plein a krake, bango tu bazo leka devant la justice. Alors, ba okanga bango nyonso ba kene na prison. Bande konange zama wako mona, ke makambato bazo yiba kaba mbongo e afekte tina ba na batanga klasi. Weza ko lokate bato ba miyibi uli. Ba yiba ke makambo ebele ko yiko salama, tala siko mbongo ebele ke na gratuite, mwa ete ba reporte ango, bako pesa me ba reporte ango. Don yango gouverne salama noki. Po masole tambo la fachita ango zoma, tozo mwana kaka fime blanche, parce ilunga se yiki ba ministre na ye, ba se prepare po na remise reprise. To lembi batu uyu, to lisu ko mwana bango, te ba sona zo yoka, koma, bat, dans ce monde, pende bato baso yiba mbongo, ezo salapasi. Pourquoi ko sarba ma yuye ya bwe, na mbongo wa bana nike, ba inonsan, bato wako dirije mboko lobi, bo lini batanga te. Kel mou yiba mabe? Alo, na pwe oton to rezime ango bwe, na pwe kaka oyu. To, directeur oyu, Institut National de Statistique, ba ndenga zan mbongo a yibi 6 millions de dollars, na ba mituka, azana makala. Baton de Belekuna, pavillon 11 et tonda, donc bango tout. Yango fatia zara colère. Ke bato nyon son de bazo beb sambouka. Ta la siko banque mondiale mou apé sambouka zate. Alors, bande konangaye, c'est à ce point de comment clôturer mission na bisou. Bon continue ko s'abonner massivement, bon partager partout, bon s'abonner. Boye se bande ko ba s'abonner pour tomber une belle mission à Kitoko. Au revoir, à la prochaine.